Avec eux, je vais partir à l'inverse. Je vais partir sur les pertes, sur ceux qui ont quitté leur équipe. Et c'est quand même pas des moindres. On a parlé de Sam Omen juste avant, qui a rejoint la Jumbo-Visma, mais ils ont perdu Michael Matthews, qui leur apportait quand même pas mal de victoires, voire un maillot vert au Tour de France. Kelderman, qui a quand même fait podium au Giro. Et surtout, Mark Kirschi, ça a été un peu une surprise de le voir quitter l'équipe, surtout qu'il avait déjà fait les photos et tout ça avec le nouveau maillot. Donc, ils ont fait un beau recrutement, mais ils ont eu beaucoup de grands, grands coureurs qui sont partis aussi. Forcément, Romain Bardet, parce qu'il est français, donc on va suivre sa progression. Mais moi, je vais suivre Hindley toujours. Je suis curieux de voir si. J'aime pas parler de one shot parce qu'il arrivait déjà pas de nulle part au Giro, mais à ce niveau-là, c'était assez incroyable. Donc, je suis curieux de voir jusqu'où il peut aller en ayant les rênes de l'équipe dès le départ, parce que les rênes au départ du Giro étaient plutôt données à Kelderman et c'est lui qui a un peu tiré les marrons du feu. Donc, avec un peu plus de pression autour de lui, je suis curieux de voir ce qu'il va donner sur un général d'un grand tour. On peut les attendre un peu partout parce que, alors, classement général, on a parlé, Bardet, Hindley, ça forcément, Roche aussi, alors peut-être plus pour aller jouer le classement général, mais ça sera un bon soutien pour ces deux coureurs-là. Et après, ils ont des coureurs qui sont un peu capables de gagner partout, des Bol, Benoot, Craig Anderson ou Niklas Arndt pour les classiques flandriennes. Ça, c'est quand même une équipe qui tient la route. Bien sûr, il faut que tout soit aligné pour que ça marche, mais on peut les voir un peu partout. Et je pense à l'image de la saison dernière, ils iront aussi chercher pas mal d'étapes sur les grands tours et ça sera des acteurs sur quasiment toutes les courses auxquelles ils vont participer. Donc, on va voir beaucoup, à mon avis, à l'avant de la course des maillots du team DSM.